23h30 hier soir, depuis déjà 4 heures, les pompiers fouillent les décombres du centre Leclerc de Bourgoin-Jallieu. Les 500 tonnes de neige amassées sur la toiture ont fait céder une partie du bâtiment une demi-heure avant la fermeture, blessant légèrement 6 personnes. Deux équipes spéciales ont dû être dépêchées de Grenoble et Voiron pour vérifier qu'il n'y avait plus personne sous les débris. D'autres bâtiments n'ont pas résisté à la neige. D'autres supermarchés sont désormais sous surveillance. À minuit, le travail des unités spéciales est terminé. 1h du matin, le capitaine Marion, qui commande les opérations sur un secteur de 30 communes, va rejoindre le poste de garde avant de quitter son service. Dans la minute qui suit, nouvelle alerte, c'est une voiture ensevelie. Là, alors, on se rend sur une intervention pour chute de neige d'un toit. Avec supposition d'une voiture écrasée, nous allons faire une reconnaissance pour voir s'il y a des personnes à l'intérieur. C'est quelque chose qui arrive souvent? Aujourd'hui, c'est la quatrième là que nous faisons. Et les dégâts sont très importants au point de vue matériel en principe, hein, parce que la neige est très lourde et les dégâts sont très très importants. Pour preuve, deux rues plus loin, ces autocars écrasés par le toit de leur hangar quelques heures auparavant. Avec 171 interventions depuis 3 jours sur la seule commune de Bourgoin-Jallieu, les pompiers n'ont guère eu le temps de dormir. Étant donné qu'il y a des grosses chutes de neige, il y en a qui n'ont pas pu rentrer chez eux. Alors, ce qui les a pas arrangés, mais ce qui m'a bien arrangé, parce que du coup, j'ai eu beaucoup de personnel pendant 3 jours, puisqu'il y en a qui, il y a 3 jours, ils n'ont pas pu rentrer chez eux, et ça fait 3 jours qu'ils travaillent. Et pendant 3 jours et 2 nuits, ils n'ont pas dormi ? 3 jours et 2 nuits, ils n'ont pas dormi. Ça sonne, et on espère que cette nuit, on pourra dormir 2-3 heures. La nuit sera courte. Quelques heures plus tard, le capitaine et ses hommes seront appelés par leurs collègues de Villefontaine. Le toit de leur caserne s'est effondré. EDF, elle a aussi fait s'écrouler 100 bâtiments au toit plat dans la région lyonnaise. Des toits étudiés pour supporter 80 kg au mètre carré, il y en a 125 actuellement. La seule satisfaction de cet enneigement appartient aux enfants, ils ne retourneront pas à l'école avant lundi. Bilan des perturbations, 100 000 foyers toujours privés d'électricité. 50% d'entre eux se situent dans l'Ain, le Jura et l'Isère. Dans ces trois départements, le plan Orsec est déclenché. La situation sur les routes, dans la région Rhône-Alpes, il est quasiment impossible de circuler sur la 6, la 7, la 43. La 40 et la 48 sont interdites aux poids lourds. Pour les trains, les lignes Lyon-Bourg-en-Bresse et Ambérieu-Bourg sont fermées. Trafic perturbé sur Lyon-Grenoble et Lyon-Chambéry. Sur le terrain, plus de 500 militaires et 300 spécialistes de la sécurité civile sont venus épauler l'action des 7000 sapeurs-pompiers. Les agents d'EDF travaillent eux aussi dans des conditions difficiles, mais pour l'instant, l'heure n'est pas à la franche amélioration des conditions météo. La neige est tombée en quantité exceptionnelle depuis dimanche. Cela oblige des entreprises à s'arrêter. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Et dans les fermes, c'est terrible pour les animaux. Voyez par exemple ce reportage d'Isabelle Staes et Jean-François Becquet dans le département de l'Isère. Bâtiment qui menace de s'effondrer, toit qui s'écroule, rue barrée, la tour du Pin en état d'alerte. Depuis 5 jours et 5 nuits, les pompiers de l'Isère sont sur la brèche. La neige qui s'accumule devient de plus en plus menaçante. Il faut intervenir vite. Des kilomètres de route difficilement praticables, arrivés sur les lieux d'une ferme très isolée. Pourquoi vous déneigez pas le toit là? Ben, trop de risques et déjà eu 2 ou 3 sapeurs-pompiers qui ont été blessés gravement depuis le début des interventions. Donc, une personne qui a été blessée gravement aux jambes hier après-midi. Seule solution, évacuer les vaches. Elles seront mises à l'abri chez un voisin. Dans le secteur, des centaines de bêtes ont dû être évacuées ainsi ces derniers jours. Ça vous est déjà arrivé de faire ce genre de choses? D'habitude, c'est plus souvent de les sortir quand ça s'est écroulé. Alors pour une fois qu'on peut les sortir avant, c'est quand même bien. Le bétail est sauvé, mais la toiture, elle, ne passera pas l'hiver. Des dizaines de fermes sont ainsi menacées. En ville, la plupart des usines ont dû fermer leurs portes. Aujourd'hui, la Tour du Pin ressemble à une ville morte. Elle a enfin cessé de tomber. Ce matin, Crémieux, dans le Nord-Isère, s'est réveillé pour la première fois depuis 5 jours, avec l'espoir de reprendre progressivement le cours d'une vie normale. Pompiers et chasseurs alpins, pelle à la main, ont été appelés en renfort dans le cadre du plan Orsec. Vous vous sentez vraiment utile en ce moment-là, en tant qu'appelé? En tant qu'appelé, oui, utile. Là, au moins, on fait quelque chose d'intéressant.
Les habitants des hameaux des alentours sont porteurs d'une certaine rancœur. Pour eux, les autorités ont réagi beaucoup trop tard. Sans électricité ni chemin dégagé, ils ont eu le sentiment d'être livrés à eux-mêmes. En l'an 2000, voir des trucs comme ça, c'est inadmissible. Hein. C'est inadmissible. Faut pas... du moment qu'ils ont vu qu'il y a neigé, ils avaient qu'à faire tout de suite le nécessaire au lieu d'attendre 2-3 jours comme ils ont fait. Hein. Parce que là, plus d'eau, plus d'électricité, et puis c'est un peu le cinéma complet. Hein. Si les rues de Crémieux commencent à être bien dégagées, en revanche, les chemins communaux des campagnes environnantes sont toujours difficiles d'accès. On a suspendu notre tournée, parce qu'on peut pas remonter dans les communes environnantes. Quoi. À Crémieux, des entreprises sont fermées à cause des risques d'effondrement des toitures. Hier, un hangar s'est écroulé sur 19 autocars d'une société de transport. Autocars qui attendront lundi pour effectuer de nouveau du ramassage scolaire, si bien sûr, de nouvelles chutes de neige ne viennent pas perturber une région, d'habitude sans histoire.